Dans notre dernière présentation, we spoke about the structure of the book of Esther. Nous avons parlé de la structure du livre d'Esther. And I suggested to you during the break. Et durant la pause déjeuner, je vous ai soumis l'idée to look at some verses in the book of Ezra chapter 7 and 2 Chronicles chapter 29. De regarder à certains versets dans Esdras le chapitre 7 le verset 9 et 2 Chroniques 29 le verset 16 à 17. For those of us who are new to this message, I hope that you had an opportunity to do that. Et pour les personnes qui sont nouvelles dans ce message, j'espère que vous avez eu l'occasion de le faire. And for those of us who are familiar with these truths, maybe it was just a good chance to review. Et pour celles qui sont donc familières avec ces vérités, c'était peut-être l'occasion donc de réviser. So we're going to really, really briefly review these few verses. Donc de façon brève, nous allons faire une révision de ces deux versets. Second Chronicles, chapter 29. Alors, 2 Chroniques 29. We're not going to spend the time reading those verses. Nous passerons pas du temps à lire ces versets-là. But what I want us to see. Mais ce que j'aimerais que vous voyez. And we'll just put it in this square here. Et nous allons le mettre dans cet espace-là. That we get a structure. Nous avons donc une structure. Of two time spans. De deux. Two times. Two times. De deux fois, deux temps. We have the first day of the first month. Nous avons donc le premier jour du premier mois. The eighth day of the first month. Le huitième jour du premier mois. And the 16th day of the first month. Et le 16e jour du premier mois. So hopefully you should be able to see that in 2 Chronicles chapter 29. Et dans 2 Chroniques 29, 16 à 17, vous êtes en mesure de voir cela. This is the cleansing of the sanctuary. Il s'agit donc de la purification du temple. Now, if you're not familiar with this study, si vous n'êtes pas familier avec cette étude, there is material available on the internet. Il y a du matériel disponible sur notre site YouTube. And there's a nice series that was done. I think it's called Ezra 7-9. Et il y a une série que nous avons fait l'an dernier, en juillet, intitulée Ezra 7-9. You need to review that material. Il vous faudra donc faire la révision de ce matériel. Because that's this is just a quick refreshment of what's on that series. Parce que là, c'est juste un rafraîchissement, donc une révision rapide de ce qui se trouve dans cette série. So this is the cleansing of the sanctuary. Là, on parle donc de la purification du sanctuaire. In the time of Hezekiah. Et Hezekiah. Et c'est Ézéchias, oui. Mm-hmm. So as soon as I talk about the cleansing of the sanctuary. Donc dès que je parle de la purification du sanctuaire. You should know that it's has some connection with Daniel chapter 8. Donc vous devriez savoir qu'il y a une connexion avec Daniel 8. Now there are many things that we could pick out from this chapter. Il y a beaucoup de choses que l'on peut tirer de ce chapitre. We can see that there are two periods of 8 days. Donc dans le chapitre de 2 Chroniques 29, on voit deux périodes de 8 jours. And we also see. Et nous voyons également. That the priests do a work here. Que les prêtres font une œuvre ici. In the temple building. Dans la construction du temple. Whilst the Levites, tandis que les Lévites, do a work here in the courtyard, font une œuvre, un travail dans le parvis. You have to spend time reading the verses very carefully. Il vous faut passer du temps à lire de façon attentive ces versets. But once you do that, you will see that the structure that I've laid out here is correct. Donc, mais une fois que vous allez faire ça, vous allez voir que la structure que nous avons dessinée là est juste. Just to inspire you to study. Juste pour vous inciter à l'étude. I want to mention something that's not germane to our presentation. Je vais dire quelque chose qui ne correspond pas à notre présentation. But we all know. Mais nous savons tous. That Passover. Que la Pâque. Is on the 14th day of the first month. C'est le 14e jour du premier mois. So that would be here. Donc ça devrait être là. Now you can see straight away. Donc vous pouvez voir tout de suite. That there's a problem. Qu'il y a un problème. The temple. Le temple is not ready on the 14th. N'est pas prêt le 14e jour du premier mois pour la Pâque. There's still 2 days to go before it's going to be completed. Parce qu'il manque encore 2 jours de nettoyage avant qu'il soit prêt. So King Hezekiah, donc le roi Ézéchias, cannot have Passover. Ne peut pas fêter la Pâque. And what does he do? Et que fait-il? He goes back to the word. Il retourne dans la parole. And seeks the Lord for counsel. Il recherche le Seigneur pour avoir ses conseils. And it turns out that in
the writings of Moses, il découvre que dans les écrits de Moïse, that he has taken these not this exact scenario, but he has taken things into consideration. Il prend non pas ce scénario, mais des éléments en considération. Cela. And there's a law. Et il y a une loi that says if you can't keep the Passover on the 14th of the first month, qui dit que si on ne peut pas fêter la fête de la Pâque le 14e jour du premier mois, that you can wait a month, vous pouvez attendre un mois, and keep it on the second month, et donc faire la Pâque le 14e jour, mais du deuxième mois. But there are strict rules about that. Mais il y a des règles très strictes attachées à cette loi. Now, this dynamic that's being brought to view here, cette dynamique là qui est présentée ici, is explained in chapter 30, the next chapter. Explique le chapitre suivant, le chapitre 30. The reason why I mentioned this, la raison pour laquelle j'ai mentionné cela, is because these two Passovers, parce que ces deux Pâques, have a relationship to us at the end of the world, ont un lien avec nous à la fin des temps. Now, hopefully this will not be too confusing for you. J'espère que cela ne sera pas trop confus pour vous. But it is partly dependent upon your understanding of Old Testament history. Mais cela dépend de votre compréhension des histoires de l'Ancien Testament. And also the way the feast days work. Et de la façon dont les fêtes fonctionnent. Passover, la Pâque, is on the 14th day. A lieu le 14e jour. Christ is crucified on the Friday. Christ est crucifié le vendredi, the 14th. Le 14. He rests the 15th. Il est ressuscité le 15. He's resurrected on the 16th. Il s'est reposé le 15, il a été ressuscité le 16e jour. And the 16th, et le 16e jour, in the Jewish festival dans, year, dans les fêtes annuelles juives, is the day of first fruit offerings. C'est le jour de la fête des premiers fruits. So we know that the first fruits are offered on the 16th. Nous savons que la fête des premiers jours a lieu le 16e jour. And that first fruit, j'ai dit quoi? La fête des premiers fruits a lieu le 16e jour, merci. Is nothing more than a representation or a symbol. Et cela n'est rien d'autre qu'un symbole. In the framework that we're using, it's Esther. N'est rien d'autre qu'un symbole dans la trame que nous utilisons d'Esther. Or Daniel. Ou bien de Daniel. Or in the imagery of Second Chronicles, the priests and the Levites. Ou dans l'image de deux chroniques, les prêtres et les lévites. Because of the Sunday law. Parce que à la loi du dimanche. The first fruits of the harvest. Les premiers fruits de la récolte. Who are the 144,000? Qui représentent donc là les 144,000? Are lifted up or raised to the Lord? Sont élevés pour le Seigneur. Then according to Revelation 14. Et selon Apocalypse 14. The sickle is laid onto the earth and the harvest is reaped. La faucille passe sur la terre et la moisson est récoltée. So if the first fruits est récoltée. If the first fruits, et si les premiers fruits, are a symbol or a representation of the 144,000, sont un symbole ou une représentation des 144,000, and the 144,000 are a symbol or a representation of the remnant of Adventism, et que les 144,000 sont une représentation ou un symbole du reste de l'adventisme, and all that occurs at the Sunday law, et que tout cela a lieu à la loi du dimanche, then you know, donc vous pouvez savoir, that the 16th day, que le 16e jour, which is when these first fruits are meant to be offered, c'est à cette date-là que les premiers fruits devaient être offerts, must be a symbol of the Sunday law, doit être donc un symbole de la loi du dimanche. And if you count back three steps, et si vous comptez trois étapes en arrière, this would be the 16th, donc ça sera le 16e jour, this would be the 15th, ensuite le 15e, and this would be the 14th. Et là, ça serait donc le 14e jour. So this symbolic Passover here, donc cette Pâque symbolique là, which is literal in the time of Hezekiah, qui a été donc littéral dans l'époque d'Ézéchias, can be moved back. Peut donc être ramené en arrière. Here. Ici, au premier jour du premier mois. Now on Passover. À la Pâque. What are you supposed to do? Qu'est-ce que vous êtes supposé faire? Eat some bread, drink some wine. Manger certains types de pain et boire du vin. Because this is the Last Supper. Parce que ça représente le dernier souper. The Last Supper is the replacement for Passover. Et le dernier souper, la scène, donc c'est le comment dirais-je une représentation de la Pâque. I already mentioned this in the last presentation. Et je l'ai déjà mentionné lors d'une précédente présentation. The eating of the little book. Le fait de manger le petit livre.
is an end time fulfillment of John chapter 6. Et un accomplissement donc de Jean pardon John 6. Jean 6. Eat my flesh, drink my blood. Donc mangez mon sang et buvez mon sang et mangez ma chair. Which is nothing more than the Last Supper or Passover. Qui n'est rien d'autre que le dernier souper ou la Pâque. So here you can see we're eating the flesh and drinking the blood of Christ. Donc là vous pouvez voir manger la chair de Christ ou boire son sang le premier jour du premier mois. And this is a symbol of 9/11. Et le premier jour du premier mois est un symbole du 11 septembre. So there's 9/11. Donc là, le 14e jour, on a le 11 septembre. This Passover. Donc nous avons donc cette Pâque. Which is literally discussed in 2 Chronicles. Qui est présenté, dont il est fait mention littéralement dans 2 Chroniques 29. Symbolically or prophetically can get moved. Mais de façon symbolique ou prophétique, ce 14e jour peut être déplacé. To this point here. À ce point-là, premier jour du premier mois ou en septembre. By considering these waymarks as three steps. En considérant que ces trois balises sont trois étapes. The reason why this is important to see. Et la raison pour laquelle c'est important à voir. Because 2 Chronicles 29. Parce que 2 Chroniques 29. In connection with chapter 30. En relation avec le chapitre 30. And the two Passovers. Et les deux Pâques. Is teaching us. Nous enseigne. That at 9/11. Qu'au 11 septembre. We're supposed to be entering into Passover with our Lord. Nous sommes censés entrer en Pâques avec notre Seigneur. This is the Passover for Adventism. Et il s'agit de la Pâque pour l'Adventisme. But there's another Passover. Mais il y a une deuxième Pâque. And the rules that govern this Passover. Et les règles qui sont inhérentes à cette deuxième Pâque. Are for people who have defiled themselves. Sont pour les gens qui se sont souillés. Now what's the definition of the 144,000? Mais quelle est donc la définition des 144,000? Virgins. Ils sont vierges. Who have not defiled themselves. Et ne se sont pas souillés. The defilement is very clear. Et la souillure est très claire. Those women who have gone into a relationship with a man. C'est ces femmes qui sont entrées dans une relation avec un homme. Remember, this is all symbolic. Rappelez-vous, on parle du symbolique. And you can only go on the second Passover. Et vous ne pouvez avoir qu'une deuxième Pâque. Not if you've been with a man. Non pas si vous avez été avec un homme. But if you've touched a dead body. Mais si vous avez touché un corps mort. But you're defiled. Parce que vous êtes souillé. So all those people. Donc toutes ces personnes. Who are defiled. Qui sont souillées. Can enter into this Passover. Peuvent faire cette deuxième Pâque. But no Adventist fits that criteria. Mais nous, quels sont les critères de l'Adventisme? Adventists have to be here. L'Adventiste ne fait pas la deuxième Pâque, elle doit faire la première Pâque. So, when we begin to understand symbols, quand nous commençons à comprendre les symboles, which are literal dates in those stories, qui sont dans les histoires littérales des dates littérales, and we become familiar with the application of how to understand what those symbols mean, et que nous commençons à être accoutumés sur la définition de ces symboles et ce qu'ils signifient, a simple story of Hezekiah cleaning the temple. Et la simple histoire d'Ézéchias qui purifie le sanctuaire can mean a lot to us. Peut représenter énormément de choses pour nous. But what I want to get from this structure is this. Mais ce que je veux tirer de ce schéma, c'est cela. From 9/11 to the Sunday law. À partir du 11 septembre 2001 jusqu'à la loi du dimanche. We have three waymarks. Nous avons donc trois balises. With two sections. Et deux sections. In this one, it happens to be 8 days and 8 days. Et dans chacune de ces catégories, il y a 8 jours. So here's 9/11 to the Sunday law. Donc, à une plus grande échelle, nous avons donc le 11 septembre et la fin, la loi du dimanche. In two sections. Et là, nous avons que deux sections. And I've put the midnight cry here. Et au milieu de ces deux balises, 9/11 et loi du dimanche, nous avons mis le cri de minuit. And hopefully we're going to demonstrate. Et je l'espère, nous allons démontrer. That this structure that I have here in big. Que cette grande structure là qui est dessinée au tableau. Is exactly the same pattern of 2 Chronicles. Et le même schéma que celui que le plus petit schéma de 2 Chroniques 29. And this structure can be seen in Esther chapter 1. Et cette structure là qui est dessinée, la grande, peut être vue dans le premier chapitre du livre d'Esther. So here I'm just going to draw the structure for Ezra 7:9. Donc maintenant, dans la première grande partie, je vais dessiner le schéma d'Ezra 7:9. And here. Et ici. We see a call to come out of Babylon. Nous voyons un appel à sortir de Babylone.
And this happens. Et cela se passe. On the first day of the first month. Cela se passe le premier jour du premier mois. Where Ezra is going to come out of Babylon. Quand Esdras va sortir de Babylone. So to give you the historical context of this. Donc le contexte historique de cette histoire. You can see number 7 for that last Persian king. Et nous pouvons voir donc le nombre 7 pour le dernier roi perse. This is when this is happening. Et c'est à ce moment-là que l'histoire d'Ezra 7-9 se passe sous Artaxerxès. So Ezra, Esdras, has been given a scroll. Il lui est donné un rouleau. And on this scroll, et à l'intérieur de ce rouleau, are the words of King Artaxerxes. Sont contenues les paroles du roi en place, Artaxerxès. This scroll is written over here. Et ce rouleau là est écrit. This is the third decree. Ce rouleau représente le troisième décret. To restore and rebuild Jerusalem. Pour restaurer et reconstruire Jérusalem. On the first of the first month. Le premier jour du premier mois. They come out of Babylon. Ils sortent donc de Babylone. There's a call to come out of Babylon here. Il y a un appel à sortir de Babylone là. It takes them 4 months. Et cela lui a pris donc 4 mois. To get to Jerusalem. Pour arriver à Jérusalem. Once they're in Jerusalem. Et une fois arrivé à Jérusalem. It takes them time to prepare. Ça lui a pris du temps pour préparer. To put this decree into effect. Pour préparer et mettre le décret en vigueur. And it can be demonstrated that this occurs on the 10th day of the 7th month. Et cela peut être démontré que ce décret est rentré en vigueur le 10e jour du 7e mois. So again, this has already been laid out. It's already available on the public in the public domain. Et de nouveau, cette étude se trouve sur notre site internet et YouTube. Now, what you can do? Donc, ce que vous pouvez faire. You take these dates. Vous prenez ces dates. They become symbols. Et elles deviennent ces dates littérales deviennent des symboles. If you're good at maths, si vous êtes bon en maths, and you have an understanding of the different calendars, et que vous avez une compréhension des différents calendriers, the difference between our calendar, la différence qui existe avec notre calendrier, and the Hebrew calendar, et le calendrier hébraïque, you can work out the time spans between these dates. Vous pouvez donc compter le temps qui s'écoule entre ces deux dates, trois dates. And this one works out 120 days. Alors, du premier jour au premier mois jusqu'au premier jour du cinquième mois, il y a 120 jours. And this at 70 days. Et ensuite, il y a 70 jours entre le premier jour du cinquième mois et le dixième jour du septième mois. Then these time spans themselves become symbols. Mais ce nombre-là devient non pas littéral, mais symbolique pour nous. But not only does the 120 become a symbol. Mais non seulement les 120 deviennent un symbole. But the number 12. Mais le chiffre 12 également. Or the number 7. Ou bien le chiffre 7 aussi. Or the number 7,000. Ou bien le nombre 7000. These all become symbols. Tous ces chiffres deviennent des symboles pour nous dans la dernière histoire. And because we've laid a structure. Et parce que nous avons dessiné la structure. When you see these numbers. Quand nous voyons donc ces chiffres. In a particular story. Dans des histoires particulières. Then you can get that story. Vous pouvez donc prendre cette histoire. And place it on this line. Et la placer sur la ligne. So as an example. En tant qu'exemple. If this is a boat. Si les 120, c'est un navire, un bateau. This is Noah's boat. Donc là, on dessine l'arche de Noé. It takes 120 years for him to build this boat. Cela lui a pris 120 années pour construire l'arche. The fact is of 120. La raison pour laquelle c'est 120. You would place the building of the boat here. Donc parce que ça lui a pris 120 jours, vous allez placer la construction de ce bateau dans la catégorie des 120. It begins to be built here. Donc, elle a commencé à être construite le premier jour du premier mois. And its ending would be here. Et sa fin serait donc le premier jour du cinquième mois. You can show that this is midnight cry. Et le premier jour du cinquième mois, il s'agit donc du cri de minuit. You can show that this is 9/11. Et donc, le premier jour du premier mois, c'est le 11 septembre 2001 pour And nous. You can demonstrate that this is Sunday law. Et le dixième jour du septième mois, ça serait la loi du dimanche. What I mean by that, ce que je veux dire par cela. Just as we say this, the first of the first month. Parce que nous avons dit que le premier jour du premier mois. Is a symbol of 9/11. Est un symbole donc du 11 septembre. And the eighth of the first. Et que le premier jour du huitième mois. Is a symbol. Non, le huitième jour du premier mois, pardon, est un symbole donc du. Symbol of midnight cry. Du cri de minuit. And the same with the 16th, the symbol of Sunday law. Et c'est la même chose pour le 16e jour du premier mois qui est un symbole de la loi du dimanche. You can do the same here. Nous pouvons donc répliquer ce schéma-là ici en faisant la même chose. After the ark is built,
Ensuite, à la fin de la construction de l'arche, you know that the animals come in two by two. Vous savez que les animaux se dirigent vers l'arche en procession, deux par deux. Then you'll see. Et vous voyez that there's 7 days brought to view here. Que là, il y a en 7 jours qui sont présentés. And then the door is shut. Et ensuite, à la fin de ces 7 jours, la porte est fermée. So when Christ says to his disciples, quand Christ dit à ses disciples, as it was in the days of Noah, comme cela fut le cas au jour de Noé, he doesn't mean cela ne signifie pas there's going to be high divorce rates at the end of the world. Qu'il y aura un grand taux de divorce à la fin du monde. The people eat a lot. Que les personnes mangent beaucoup. That they're rich and have a luxurious lifestyle. Qui sont riches et que les personnes ont un style de vie intéressant. Those things may be true. Pardon? Un style de vie décadent. Those things may be true. Ces choses peuvent être vraies. But he's trying to teach us. Mais il essaie de nous dire. To go back into that story and look at the symbology carefully. De retourner à cette histoire et de regarder au symbole de façon attentive. So what we can see from Ezra 7:9. Et ce que nous pouvons dire à partir d'Ezra 7:9. Three waymarks. Nous pouvons avoir donc 3 balises. With symbols attached to them. Avec des symboles qui sont reliés. And 2 time spans. Et 2 périodes de temps. Which become symbols. Deviendront donc des symboles. If you're familiar with the story of Elijah, si vous êtes familier avec l'histoire d'Élie, and he says he's the only prophet in the land. Il dit qu'il est le seul prophète dans le pays. And what does the Lord say back to him? Et qu'est-ce que le Seigneur lui répond? He says you're not. Il dit non, non, pas du tout. But there are 7,000. Il y en a 7,000. Who haven't bowed the knee to Baal. Qui ne se sont pas prosternés devant Baal. So those 7,000. Donc ces 7,000 personnes. Where would you identify them coming to view at the end of the world? Où vont-ils entrer à la fin du monde? Dans quelle catégorie? You can see the structure teaches you. Et vous voyez que la structure vous enseigne. That they're going to become to view here in this period. Qu'ils vont commencer à entrer dans la période entre le cri de minuit et la loi du dimanche. So here's Elijah on his own. Donc Élie se trouve dans la période, la première catégorie, tout seul. He says there's no one left. Parce qu'il dit il y a personne. But Christ, God says there's 7,000. Mais Jésus lui dit non, il y a 7,000 hommes. Now, if we were to bring 2 Chronicles into this story. Et si nous voulons introduire l'histoire des 2 Chroniques. Those 7,000. Dans cette histoire, donc c'est 7,000. Another symbol of them is for the Levites. Un autre symbole des 7,000, c'est les Lévites. Or Elijah. Ou pour Élie. He symbolizes the prophet. Il symbolise donc les prêtres. So you can see how you can get these varying lines of history. Donc vous pouvez voir de quelle façon vous pouvez prendre plusieurs lignes du récit biblique. And make specific application at the end of the world. Et en tirer des applications particulières à la fin des temps. These two structures. Ces 2 structures là dessinées. If we can see that Esther chapter 1 follows the same pattern. Si nous pouvons voir que Esther chapitre 1 suit la même structure. Then we're going to realize. Donc nous allons réaliser. That the story of Vashti, que l'histoire de Vashti begins at 9/11, a commencé donc au 11 septembre, and by the time you get to the Sunday law, et au moment d'arriver à la loi du dimanche, she's already going to be divorced. Elle sera donc séparée du Dieu de Dieu. So let's rub out this information. Donc on va effacer ces informations là. And we're in Esther chapter 1. Et nous irons dans Esther au chapitre 1. Esther chapter 1, verse 1. Lisons Esther 1, chapitre 1. So if you go ahead and read that in the French. Je vais le lire en français seulement. Esther chapitre 1, verset 1. Or il arriva au jour d'Assuérus. C'est Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. So we've got the number 127. Nous avons donc le chiffre 127. That's brought to view here. Qui est présenté là. Now, if you run through the scriptures and see what the one, where you find 127. Et si vous recherchez dans la Bible où l'on trouve le chiffre 127. You find it a couple of times in the book of Esther. Vous le trouvez plusieurs fois dans le livre d'Esther. But you also find it in Genesis 23, verse 1. Vous le trouvez aussi dans Genèse 23:1, pardon. And in Genesis 23, verse 1. Genèse 23, au verset 1. It tells you that when Sarah, Abraham's wife,
Il nous parle là, ce verset, de la femme d'Abraham, Sarah. Is 127 years old. She dies. Qu'elle est morte à l'âge de 127 ans. So what does the death of Abraham's wife? Alors, continue, please. Have anything to do with the book of Esther? Quel est le lien entre la mort de Sarah et le livre d'Esther? Or these 127 provinces. Ou bien ces 127 provinces. What we're going to do is take the number 127. Ce que nous allons prendre, c'est le chiffre 1, 2 et 7. And make some symbolic application. Et en faire une application symbolique. Sarah is a woman. C'est une femme. Married to Abraham. Elle est mariée à Abraham. A woman in Bible prophecy is the church. Une femme dans la prophétie biblique est une église. So what's been identified? Ce qui est identifié là. Right here. Juste là. In verse 1. Au verset 1. Is that there's the death of a church that's being brought to view. C'est qu'il y a la mort d'une église qui est présentée. So this is one of the clues that we have. C'est l'une des clés que nous possédons. That at the beginning of this story of chapter 1. Qu'au commencement du chapitre 1 du livre d'Esther. The divorce of Vashti. Le divorce de Vashti. That we can identify a death. Nous identifions donc une mort. The death of Vashti. La mort de Vashti. If we can apply it that way. Si nous pouvons donc l'appliquer de cette façon. Now what that means, mm-hmm. we can identify with another line of prophecy which we're not going to address now. Ce que ça signifie, on peut l'identifier avec une autre ligne de la prophétie que nous n'aborderons pas maintenant. Is the death that we're speaking of that's brought to view here? C'est que la mort que nous dont nous parlons là et qui est présentée là. Hope you understand this correctly. Nous aide à comprendre de façon correcte. It's the death of the ministry. C'est la mort d'un ministère. At this point, à ce moment, the ministers of God's church, les ministres de l'Église de Dieu, which is the structure of this church, qui sont donc la structure de cette Église, dies. Meurent. Now they die. Donc cette structure meurt. Because they've gone through a testing process prior to this. Parce qu'ils sont passés par un processus de test avant cela. Which we're not addressing in this series. Que nous n'aborderons pas dans cette série. But you can show. Mais vous pouvez montrer. That from 1989. Que à partir de 1989. To 9/11. Jusqu'au 11 septembre. Truth were being brought forward to this church. Beaucoup de vérités ont été présentées à cette église. Which the leadership rejected. Que les dirigeants ont rejeté. And by 9/11, et le 11 septembre 2001, they were passed by. Ils ont été mis de côté. They were no longer considered the priests. Ils ne sont plus considérés comme les prêtres. And that title was given to another class of people. Et les dîmes sont donnés à une autre catégorie de personnes. The laity of the church. Les membres laïcs de l'Église. So that's what this 127 is identifying. Et c'est ce que ce chiffre 127 identifie. The death of the ministry of the church. La mort donc des ministres donc de l'église. All heading towards the final separation at Sunday Law. Leading to the final separation. It's a progressive separation. Et tout ça conduit jusqu'à la fin de l'histoire du monde à une séparation. Verse 2. Et le verset 2 d'Esther 1. So if you can read verse 2. En ces jours-là, lorsque le roi Assuérus étant assis sur le trône de son royaume qui était à Suse, le palais. Now this symbol of Shushan the palace. Donc le symbole de Suse le palais is an interesting but complex one. Et un point intéressant mais assez compliqué. We're going to hopefully demonstrate in a simple fashion. Nous allons essayer de le démontrer d'une façon simple. The symbol of Shushan, que le symbole de Suse, can be identified as being at 9/11. Peut être identifié comme se passant au 11 septembre. So let's try and see if we can do this. On va voir si on peut faire ça. Now Shushan, the word Shushan, the palace, is identified in two other books. Le mot Suse, le palais, est identifié dans deux autres livres. In Daniel chapter 8, verse 2. Dans Daniel 8, le verset 2. And Nehemiah chapter 1, verse 1. Et dans Néhémie 1, 1. So we're looking at Shushan. Nous regardons au mot Suse. And we're at Daniel 8, 2. And Nehemiah 1, 1.
Et donc Daniel 8, le verset 2, et Néhémie chapitre 1, verset 1er. And I want to try and demonstrate that Shushan, et j'aimerais vous montrer que Suse is a symbol, est un symbole that we can place at 9/11. Que nous pouvons placer au 11 septembre 2001. Now, our contention is this. Alors notre but est cela. That 9/11, le 11 septembre, which was an attack upon the United States. Alors nous affirmons que au 11 septembre, il y a eu donc une attaque aux États-Unis. By radical Islam. Par l'islam radical. Was the fulfillment of prophecy. Et que cette attaque était donc un accomplissement de la prophétie. The prophecy of Revelation chapter 8, 9, 10 and 11. La prophétie Revelation, Apocalypse 8 à 11. Specifically 9 to 11. Et de façon spécifique 9 à 11. Because the power that's being brought to view. Parce que la puissance qui est introduite là. First begins in chapter 9 and ends in chapter 11. Commence premièrement au chapitre 9 et se termine au chapitre 11 d'Apocalypse. And it's identified. Et cela est identifié by a symbol of a trumpet. Par le symbole de la trompette. And as I say, it's in chapter. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans le chapitre, dans les chapitres 9. 9 to 11. 9 à 11. In the Apocalypse. Dans l'Apocalypse. That's not a coincidence. Et cela n'est pas une coïncidence. This trumpet power. Cette trompette. Is a symbol of Islam. Cette puissance trompette est un symbole de l'islam. That's radical Islam, not the nation of Islam. Et là, on parle donc de l'islam radical, non pas de des nations islamiques. Now, if you look at the word Shushan. Et si nous regardons au mot Suse. The word Shushan can mean a number of things. Alors, Suse, ça signifie plusieurs choses. Can you write in French? What, Shushan? Yes, Suse. Okay. U-S-E. Thank you. Shushan. Donc, Suse. Shushan can mean a number of things. Donc, ça veut dire plusieurs choses. One of the things that it can mean. Alors, une des choses que cela peut signifier. Is a lily. C'est le lys. C'est ça, lily. Lily. And one of lys. One of the names or symbols of a lily is a trumpet because of its shape. Et l'une des significations du mot lys, c'est trompette par rapport à sa forme. So we can see that Shushan is la fleur de lys, oui, le lys. Is also a symbol of a trumpet. Donc nous pouvons voir que can you repeat please? We can see that the word Shushan is a symbol of a flower which is a lily flower which is a representation of a trumpet. Donc le mot Suse signifie donc la fleur, le lys, qui est aussi un symbole de la trompette. The other thing that we can see. L'autre chose que nous pouvons voir. Is that the locality of Shushan. C'est que la localité de Suse. Was such that it was a trading center between various civilizations. Et en fait, le point de commerce entre les différentes pays, nations. And what used to happen to Shushan, they used to trade horses. Et ce qui se passait à Suse, c'est qu'ils faisaient le commerce des chevaux. It was a commercial center for the trading of horses. C'était le centre de commerce, on va dire, pour la vente des chevaux. I don't have room on the board to write all the symbols down. Et je n'ai pas assez de place sur le tableau pour écrire tous ces symboles. But in the word Shushan. Mais Suse. We have a trumpet. Nous avons donc la trompette. And we have a horse. Et nous avons le cheval. And the trumpet and the horse are both symbols of Islam. Et la trompette et le cheval, tous deux sont des symboles pour identifier l'islam. Let's turn to Nehemiah chapter 1, verse 1. Maintenant, allons dans Néhémie 1:1. Néhémie au chapitre 1. Now, this takes some maths to work out, so I hope we're not going to lose people. Donc, on va utiliser des maths. J'espère qu'on va pas, je vais pas perdre des personnes. So, let's read Nehemiah chapter 1, verse 1. Lisons Néhémie 1:1. Les paroles de Néhémie, le fils de Hakalia,
Et il arriva au mois de Chisleu, en la 20e année, comme j'étais à Suse le palais. So you can see it's the ninth month. Vous voyez là, il s'agit donc du... You can see it's the ninth month. You can see it's the ninth month. Well, just say that. Ah, d'accord. You can see it's the ninth month. Vous pouvez voir qu'il s'agit du neuvième mois. If you know, si vous savez that the word chiselu, que le mot chiselu is the ninth month, représente donc le neuvième mois. If you don't know that, you couldn't do it. Donc si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le faire. My sister comme doesn't moi. Know that. Et moi, je ne le savais pas. So, we're at the ninth month. Donc le neuvième mois. And we're in the 20th year. Et nous sommes en la 20e année. And we're at Shushan. Et nous sommes donc à Suse. So, what we're going to do, ce que nous allons faire, we're going to start thinking about the ninth month, nous allons penser au neuvième mois, and its association with Shushan. Et sa relation avec Suse. Now, if you turn to Nehemiah chapter 2, verse 1, maintenant, si nous allons dans Néhémie 2, le verset 1, we'll read that. Et nous allons le lire, Néhémie 2, le verset 1. Et il arriva au mois de Nissan, en la 20e année du roi Artaxerxès, que le vin était devant lui, et je pris le vin et le donnai au roi. Or, je n'avais jamais été triste en sa présence. Okay, we're now in the first month. Maintenant, là, nous nous trouvons dans le premier mois. This is the month Nissan. Il s'agit du mois Nissan. Now, we've got to be careful as we think about this. Il nous faut donc être prudents lorsque nous pensons à cela. Chapter 1. Le chapitre 1 and chapter 2 et chapitre 2 follow sequentially. Se suivent de façon séquentielle. First chapter 1, then chapter 2. Premièrement le chapitre 1 et ensuite le 2. Chapter 1, what month are we in? Le chapitre 1, en quel mois sommes-nous? The ninth month. On a dit le neuvième mois. Chapter 2, what month are we in? Et le chapitre 2, à quel mois sommes-nous? The first month. Le premier mois. Now, which month occurs first in real life? Et quel, dans la vie réelle, quel est le mois qui arrive en premier? The first month. Le premier. So you've got the first month here. Donc cela signifie qu'avant le neuvième mois, nous avons le premier mois. 1, 2, 3, 4, 5 to 9. 1, 2, 3 jusqu'à 9. Then you would have 10, 11, 12. Ensuite, vous aurez 10, 11, 12. Then the first month. Et ensuite, le premier mois. So this is the next year after this one. Donc là, c'est l'année qui suit après le neuvième mois. Hopefully you can see that. Vous le voyez. This is a Jewish calendar where it talks about Chislu Nissan. Et là, il s'agit du calendrier juif lorsqu'on nous parle de Chislu et de Nissan. You've got two separate years. Vous avez deux années différentes là. Hopefully that makes sense. Est-ce que ça a du sens? But in chapter 1, verse 1. Mais au chapitre 1, verset 1 de Néhémie. Some people are grimacing, saying no. Ah là, vous êtes en train de grimacer et vous vous dites non, ça n'a pas de sens. I never like going this fast, but I et have to. Et je n'aime pas aller aussi vite, mais là, je dois y aller. Chapter 1, verse 1. Néhémie 1, 1. What year is it? Quelle année est-il? 20th year. On dit la 20e année. Chapter 2, verse 1. What year is it? Chapitre 2, verset 1. Quelle année? Same year. On dit la même année. So you have a problem. Mais là, vous avez un problème. What's being shown to us? Qu'est-ce qui est en train de nous montrer? You've got the merging of two calendars. Vous avez donc le mélange de deux calendriers. A Hebrew calendar. Un calendrier hébraïque. And a Persian calendar. Et un calendrier perse. Now, I'm not making any application on this issue here. Je ne vais faire aucune application sur cette question là aujourd'hui. But that's an important point to understand for future, for different studies. Mais il vous faut comprendre ce point là pour d'autres études. All I want to do, ce que je veux faire là, is we're going to use these as symbols. C'est que nous allons utiliser le 20e là en tant que symbole. The 20th and the 20th. Les deux 20e. Now this first month. Ce premier mois là. It says in 2:1, and it came to pass in the month Nissan. Il arriva au mois de Nissan, Néhémie 2:1. Now it doesn't specify explicitly. Cela, il nous donne pas. Cela n'est pas précisé de façon particulière. What day of the month this is?
Quel jour du mois c'est? But in a number of Bible passages, it talks about the first month. Mais dans plusieurs autres passages de la Bible, il fait mention du premier mois. And the context. Et le contexte. You can identify it being the first day of the first month. Et par rapport au contexte, vous pouvez comprendre qu'il s'agit du premier jour du premier mois. So I'm going to say that this is the first day of the first month. Donc je dirais donc que Néhémie 2:1, il s'agit du premier jour du premier Now, mois. Now you might say, well. I'm just guessing. Je vous devais dire, ouais, je devine. But there are other clues in this verse. Mais il y a d'autres clés dans ce verset. Because here, parce que ici, what's Nehemiah doing? Qu'est-ce que Néhémie fait? He's given a cup. Il donne une coupe. To his king. À son roi. And you can identify the giving of the cup. Et vous pouvez identifier que le fait de donner la coupe. As occurring on the first day of the first month. Se passe le premier jour du premier mois. But our story would begin to expand if we went to all the verses to prove this. Mais si nous prenons tous les versets pour prouver cela, notre étude va vraiment s'éterniser. What I want to do, ce que j'aimerais faire, is use this 20 as a symbol. C'est d'utiliser le 20e là comme un symbole. So I'm going to put them into juxtaposition. Donc je vais le juxtaposer. Juxtaposition means what? Donc, juxtaposer, ça veut dire quoi? It means putting two contrasting ideas. Donc, de prendre deux idées qui semblent être en contradiction. Parallel to one another. Et les mettre en parallèle l'une here, sur l'autre. He's giving wine. Ici, là, Néhémie 2:1, il donne du vin. And here, what is he doing? Mais dans Néhémie 1:1, que fait-il? Here, he's crying. Il pleure. Because he's found out what's happening in Israel. Parce qu'il a découvert ce qui se passait donc à Israël, en Jérusalem. He's weeping. Il pleure. Or sighing and crying. Oh, il gémit, il pleure. For the abominations that are done in Jerusalem. À cause des abominations faites dans Jérusalem. These two things are happening concurrently. Et ces deux choses se passent de façon concurrente. Same time. En même temps, merci. So the first day of the first month. Le premier jour du premier mois. Is a symbol of 9/11. Est donc un symbole du 11 septembre. And the ninth month. Is also a symbol of 9/11. Et le neuvième mois est également un symbole du 11 septembre. Now you might think that's a stretch. Vous pensez certainement que j'étire les choses. But let's go to Jeremiah chapter 36, verse 9. Allons dans Jérémie. Jeremiah 36, verse 9. 36, 9. Jérémie 36, verset 9. Jeremiah chapter 36, verse 9. Ok, Jérémie 36, 9. I will. Yeah, read. Ok, et il arriva en la cinquième année de Joachim, fils de Josias, que le roi, roi de Juda, au neuvième mois, qu'on publia un jeûne devant le Seigneur pour tout le peuple à Jérusalem et pour tout le peuple qui venait des villes de Juda à Jérusalem. So we're in the ninth month. Nous sommes dans le neuvième mois. Ninth month. Neuvième mois. And what they doing? Et qu'est-ce qu'ils font? Proclaiming a fast. Il publie un jeûne. There's a fast going on. Il y a un jeûne là qui se passe. You can apply other Bible passages to this. Et alors à ce moment-là, vous pouvez superposer tous les autres passages bibliques qui parlent du jeûne. And not only at one level are we feasting, eating the blood of Christ. Et non seulement donc à un certain niveau nous prenons le sang de Christ. But we're supposed to be fasting. Mais également sommes supposés jeûner. We're supposed to be proclaiming a fast according to the book of Joel. Et selon le livre de Joël, nous devons publier un jeûne. As we're sighing and crying. Et nous devrions également gémir et pleurer. Now we don't have time to read through Jeremiah chapter 36. Et nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre de Jérémie 36. But if you drop down to verse 22. Mais si vous allez jusqu'au verset 22. It says at the same time in the ninth month. Et il nous dit au même moment, au neuvième mois. That the king. Le roi. Is in his winter house. Est dans sa maison d'hiver. By the fire. Près du feu. Now Jeremiah's book, the book of Jeremiah, le livre de Jérémie, has already been written, avait déjà été écrit, and it's going to be given to the king. Et il sera donné au roi. So someone reads the book to him. Donc une personne a lu le livre, He gets a knife. Et il a pris un couteau. And he begins to cut the book up. Et il a commencé à déchirer le livre. And burn the pages. Et à brûler les pages. Now Ellen White says. Et Ellen White déclare. That the writings of Jeremiah. Que les pleurs de Jérémie. By the way, the. The writing. The writings of Jeremiah. Les écrits de Jérémie. By the way, the Jeremiah that you have in your Bible. Le Jérémie que vous avez dans votre livre. Was not the words that
Jehoiakim burnt. N'étaient pas les paroles que Joachim avait brûlées. But rather it was a second edition. Mais c'était plutôt une deuxième édition. And it says that he added more words to the original. Et il dit donc qu'il a ajouté plus de paroles que le livre original. Ellen White calls the writings of Jeremiah the testimonies to the church. Et Ellen White écrit nomme les écrits de Jérémie les témoignages pour l'église. So here you've got Jehoiakim. Donc là vous avez Joachim destroying the spirit of prophecy. Qui détruit donc l'esprit de prophétie. The destruction of the spirit of prophecy. La destruction de l'esprit de prophétie. Is occurring in the ninth month. Se passe donc le 9e mois. At 9/11. Au 11 septembre. Just a few weeks afterwards, quelques semaines après cela, the year 2001, dans l'année 2001, our church, notre église, entered into spiritualism, est entrée dans le spiritisme, because they now made all the employees, parce que maintenant ils font en sorte que tous leurs employés, they were required to go through a course of spiritual formation. Ils doivent passer par une formation spirituelle. There was a new department at the general conference. Il y a un nouveau donc département à l'intérieur de la conférence générale. Whose purpose it was to disseminate or give this information to the world church. Et son but c'était donc de donner cette information à l'église mondiale. So this is another symbol. Donc là c'est un autre symbole. That right here. Que là, juste là. When you come to the palace at Shushan, quand nous parlons du palais de Suse, Nehemiah is there. Néhémie et Osée. On the ninth month and the first month. Donc le 9e mois, le premier. In the same mois, year. Dans of la the king, même année du roi. Even though they're different years in the Jewish calendar. Même si ces deux 20e années sont des années différentes dans le calendrier juif. The first day of the first month. Le premier jour du premier mois. Is 9/11. C'est le 11 septembre. We know it's the first day of the first month because he's giving the cup to the king. Nous savons qu'il s'agit du premier jour du premier mois parce qu'il donne une coupe au roi. And this can be identified as happening on the first day. Et cela peut être identifié comme se passant le premier jour du premier mois. And we can also identify that the ninth month. Et nous pouvons identifier que le 9e mois is the month that the spirit of prophecy is rejected by the leadership of the church. C'est le mois où l'esprit de prophétie a été rejeté par les dirigeants. Which happens at 9/11. Et ça s'est passé le 11 septembre. Ezra chapter 10 verse 9. Esdras 10 verset 9. Now we're spending some time looking at this. Nous avons passé du temps à regarder à cela. Because I want you to become familiar with the technique. Parce que je voudrais que vous soyez familier avec la technique. Of going into a story and picking out symbols. D'aller dans une histoire et d'en tirer les symboles. Now in Ezra chapter 10. Esdras chapitre 10. We'll read verse 9. Nous lisons le verset 9. You'll see that we're in the ninth month. Nous voyons que nous sommes au 9e mois. You can read. Alors, Esdras 19. Alors tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. C'était le 9e mois, le 20e jour du mois. Et tout le peuple s'assit dans la rue de la maison de Dieu, tremblant à cause de cette affaire et à cause des grandes pluies. So here, ici, we see a gathering. Nous voyons donc un rassemblement of the tribes of Judah and Benjamin which represent the SDA church. De la tribu, un rassemblement de la tribu de Juda et de Benjamin qui représente l'église adventiste du 7e jour. There's a gathering. Il y a donc un rassemblement. This gathering. Ce rassemblement is the gathering of the virgins of Matthew 25. It's the same imagery. C'est la même image du rassemblement des vierges de l'histoire de Matthieu 25. So the ninth month here. Le 9e mois là. And you can see at the end of the verse, it says there's a great rain. Et à la fin du verset 9 de Esdras 10, vous voyez qu'il y a de grandes pluies. So here are these tears of Nehemiah. Donc là, nous avons montré les larmes de Jérémie. Which is the same symbol as the great rain of Ezra chapter 10. Qui est un symbole des grandes pluies, donc d'Esdras 19. Now in verse 13. Au verset 13. It says there's a lot of rain. Il nous est dit qu'il y a beaucoup de pluie. And they can't complete the work that they're going to do. 13. 10, 12. 13. Oui, donc au verset 13, il nous est dit, c'est le temps des grandes pluies. And they say, because of this great rain, this is not the work that they're going to do can't be accomplished very quickly. Et il nous est dit qu'à cause de ces grandes pluies, l'œuvre qui devait être accomplie ne pouvait pas être faite.
So they're going to begin a work here. Donc au 11 septembre vont commencer une œuvre. And they can't complete it very quickly. Et ils ne peuvent pas l'accomplir rapidement. And this is being marked in the ninth month. Et cela est identifié comme étant le 9e mois. In verse 17. Au verset 17. It tells you what the work that they're doing. Il nous est relaté le travail qu'ils faisaient. All the priests, tous les prêtres, all the leaders, tous les leaders, who had married women from other tribes, qui se sont mariés à des femmes d'une autre tribu. It says strange wives in the verse. Dans le verset, nous est dit les femmes étrangères. Were required to divorce or separate from them. On leur demande donc de se séparer ou de se divorcer d'elles. So right here, donc ici là, there's a call for the leadership. Il y a un appel pour les dirigeants. To separate from their strange wives. De se séparer donc de leurs femmes étrangères. Which is a symbol of the strange doctrines from other churches. Qui est un symbole donc de leur des fausses doctrines des autres églises. The requirement was in this chapter. Et l'exigence de ce chapitre. If you did not separate. Si vous ne vous séparez pas de vos femmes étrangères. You'd be cut off from the people. Ou de vos fausses doctrines, vous êtes retranché du peuple. So we have many many symbols. Nous avons beaucoup beaucoup de symboles. That we can place Shushan. Où nous pouvons placer Suze at 9/11. Au 11 septembre. And the logic that I've used here, et la logique que j'ai utilisée ici, is that we're taking the word Shushan, c'est que nous prenons donc le mot Suze, as found in the book of Daniel and Nehemiah, comme il est trouvé dans le livre de Daniel et de Néhémie. We went to Nehemiah 1, 2 and 2, 1. Nous avons été dans Néhémie 1 et 2, 1. Mm-hmm. And then we saw, et nous avons vu that chapter 1 was the ninth month, chapter 2 was the first month. Donc chapitre 9 et 1 nous parle du premier du 9e mois, du premier jour, du premier mois. But it's the same year. Mais il s'agit donc de la même année. It's the same year because they're mixing two calendars. C'est la même année parce qu'ils ont mélangé deux calendriers. That mixing of two calendars gives us the key. Et cela nous donne la clé to put these two things in juxtaposition. Pour mettre ces deux choses en juxtaposer. There's a cup and there's raining. Il y a le symbole crying. De la coupe et le symbole du fait des pleurs. We can identify the cup. Nous pouvons identifier la coupe as meaning the first day of the first month. Comme étant donné le premier jour du premier mois. And then we went into Ezra. Ensuite, nous sommes allés dans Esdras. And Jeremiah. Et également dans Jérémie. We saw that all of those things are occurring on the ninth month. Et nous avons vu que toutes ces choses-là se passaient le 9e mois. So essentially what I've done is this. Donc ce que j'ai fait essentiellement c'est ça. I've got the first of the first. J'ai le premier jour du premier. And then I've got the ninth month. Ensuite j'ai eu le 9e mois. From Nehemiah. De Néhémie. And then I've gone to Jeremiah. Ensuite je suis allé dans Jérémie. Which is the cutting up of the spirit of prophecy. Qui est là où l'on montre que on déchire l'esprit de prophétie. And then from Ezra. Et ensuite d'Esdras. It's putting away the strange wives. On nous montre le fait que les femmes étrangères sont ôtées. So we have multiple symbols. Donc là, avec ces textes, nous avons tiré plusieurs symboles. Of things that we know are occurring at 9/11. Des choses qui se passent, les caractéristiques qui sont autour du 11 septembre. So we can demonstrate comfortably. Afin de pouvoir démontrer de façon confortable. Chapter 1 of the book of Esther is beginning at 9/11. Afin de démontrer de façon plus simple que le chapitre 1 du livre d'Esther se passe. On le peut le placer prophétiquement au 11 septembre. But there's more still. Mais il y a encore beaucoup plus à dire. Verse 3, Esther chapter 1, verse 3. Maintenant, Esther 1, le verset 3. Durant la troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, la puissance de Perse et de Médie, les notables et les princes des provinces étant devant lui. And we're going to read verse 4. Et le verset 4, quand il montra les richesses de son royaume glorieux et la splendeur de l'excellence de sa majesté pendant un grand nombre de jours, c'est-à-dire 180 jours. Now, in verse 4, au verset 4, we've got a time period. Nous avons une période de temps. 180 days. Nous avons la période de 180 jours.
We're going to see that the 180 days. Nous allons voir que cette période de temps de 180 jours looks like that. Ressemble à cela. Now this 180 days. Ces 180 jours. When you understand biblical timing. Quand vous comprenez les temps bibliques. Is 6 months. Représente donc 6 mois. Now those 6 months. Ces 6 mois. You can go into the book of Luke, chapter 1. Vous pouvez aller dans le livre de Luc au chapitre 1. And you will see. Et vous verrez là. That when Zachariah. Vous verrez que Zacharie was ministering in the temple. Officiait dans le temple. That this begins a 6 month period. Et cela a commencé une période de 6 mois. Because in 6 months after this. Parce que après les 6 mois. Elizabeth is going to meet Mary. Va rencontrer Marie. Mary's just been impregnated with Christ. Marie vient juste d'être enceinte through the work of the Holy Spirit, par l'œuvre du Saint-Esprit. And she meets Elizabeth. Et elle va à la rencontre d'Élisabeth. So you get these two women. Donc vous avez ces deux femmes who come together and prophesy qui se mettent ensemble et prophétisent, at this prophétisent 6 month period. Dans une période de 6 mois. There's many things we can understand about this. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre à partir de cela. An additional truth about these 6 months. Et une vérité donc qu'on l'on peut ajouter. Is it's divided into two segments. C'est qu'elle est divisée en deux segments. A 5 month period. Nous avons donc une période de 5 mois. And a 6 month period. On a une période de 1 mois et de 5 mois. In the same chapter, Luke 1. Dans le même chapitre, Luc 1. It says that. Elizabeth went into hiding for 5 months. Il nous est dit qu'Elisabeth est partie se cacher durant 5 mois. And what we're going to find in the book of Esther. Et ce que nous allons découvrir dans le livre d'Esther. Is that Esther is also hidden. Que Esther se cache aussi. In fact, if you look at the name Hadassah. Si vous regardez à la signification du mot Hadassah. It means. Sorry, not Hadassah, Esther. Esther. Esther means a hidden star. Ça veut dire une étoile qui se cache. So there's a component of this hiding that's being brought to view here. Donc il y a un élément de l'action de se cacher qui est présenté là. When we understand that 180 days. Quand nous comprenons que 180 jours. Equals 6 months. Égale 6 mois. I just want to add it here. J'aimerais ajouter là. This 5 months of hiding. Ces 5 mois où l'on se cache is also seen in Daniel chapter 8, verse 2. Est également présenté dans Daniel 8, le verset 2. Because there it mentions the city or palace of Shushan. Parce que là, il est mentionné que le palais de Suse. And it says it's in the province of Elam. Et cela, et la ville d'Elam, la province d'Elam est aussi présentée. Hidden. Caché. C-A-C-H-E. E with an accent. This word, Elam. Ce mot-là, Elam. Also means hidden. Veut dire également caché. 180. Let's have another look at 180. Regardons au chiffre 180. If we go to 1 Kings chapter 12. Allons dans 1 Roi chapitre 12. Verse 21. Verset 21. 1 Roi, chapitre 12, verset 21. Et quand Roboam arriva à Jérusalem, il assembla toute la maison de Juda ainsi que la tribu de Benjamin, 180 000 hommes choisis qui étaient des guerriers pour combattre contre la maison d'Israël pour amener de nouveau le royaume de Roboam, le fils de Salomon. So here you see the number 180,000 soldiers. Là, nous voyons le chiffre 180 000 soldats. So here is one. There's a number 180 here in this verse. Dans le verset précédent, c'était 180. This story is between the struggle between Rehoboam and Jeroboam. Là, dans 1 Roi 12, il s'agit de la lutte entre Roboam et Jéroboam. It's a discussion of war. Là, c'est un contexte de guerre. Between the two tribes and the 10 tribes. Entre les deux tribus de Juda et les 10 du nord. But three verses down in verse 24. Et trois versets plus loin, au verset 24. The Lord tells the soldiers of Rehoboam. Le Seigneur dit aux soldats de Roboam.
to return back to his house. De retourner donc dans leur maison. And that word return, ce mot-là, retourner, doesn't just mean to go back. Veut pas dire uniquement retourner chez soi. It means to stay. Ça veut dire rester, demeurer. Or abide. Demeurer. So what's been introduced in 1 Kings chapter 12? Ce qui est introduit dans 1 Roi 12 is that there's to be no fighting between the two tribes and the 10 tribes. C'est qu'il ne devrait y avoir aucune guerre ou lutte entre les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud. Now there's the symbols of these 2 and 10. Donc là nous voyons apparaître le symbole de 10 plus 2. The symbol 10 is a symbol of the world. Le chiffre 10 est le symbole du monde. And the 2 is a symbol of the SDA church. Et le symbole du 2 c'est le symbole de l'église adventiste. And this warfare that they're about to have. Et cette guerre qu'ils sont sur le point d'avoir. When understood symbolically. Comprise de façon symbolique. Is a destruction of the empires or the powers or the or the nations of the world. Et la destruction des empires des nations du monde. Now we know at the end of the world we're not going to go and make war with them. Et nous savons qu'à la fin du monde nous n'allons pas faire la guerre contre elles. But we do overcome the world. Mais pardon? We do overcome them. Mais nous remporterons la victoire sur elles. It's by our words and our testimony. C'est par notre parole et notre témoignage. By our lifestyle, our par conduct. Notre conduite, notre style de vie. So this fight or this struggle between these two powers. Donc cette lutte, cette guerre entre ce conflit entre ces deux puissances. Symbolically needs to be understood. Doivent être comprises de façon donc symbolique. As the evangelism that we partake in at the end of the world when we go and we conquer the world. Donc par rapport à l'évangélisation que nous ferons quand nous irons vers le monde pour conquérir le monde. This fighting, this struggle is a symbol of public evangelism. Alors cette lutte, c'est le symbole donc de l'évangélisation publique. And in previous studies we have identified. Et dans des études précédentes, nous avons identifié from 9/11, we're not to do public evangelism. Qu'à partir du 11 septembre, nous ne devrions plus faire d'évangélisation publique. And this is confirming this. Et ce passage confirme cela. Through the number 180. Par le chiffre 180. Because when you see the number 180 in 1 Kings 12. Parce que quand vous voyez dans 1 Roi 12 le chiffre 180. It says, don't struggle with the world. Stay at your home and stand still. Ne luttez pas contre le monde, retournez chez vous et demeurez-y. Now if we were to go to 2 Chronicles 17. Et s'il nous faut aller dans 2 Chroniques 17, 2 Chroniques 17. And we read verse 13. Et que nous lisons le verset 13. Il nous est dit, il y eut beaucoup d'affaires dans les villes de Juda. Et des hommes de guerre, des hommes puissants et vaillants, étaient à Jérusalem. And verse 18. Et le verset 18. Et à côté de lui était Jéhozabab, et avec lui 180 000 prêts pour la guerre. And verse 19. Ceux-ci étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait mis dans les villes fortifiées dans tout Juda. So this is a totally different story. Là, il s'agit d'une histoire tout à fait différente. The story of Jehoshaphat. L'histoire de Josaphat. But here's the same number, 180. Mais là, on découvre le même chiffre, 180. Again, in verse 19. Et dans le verset 19. These valiant men. Ces hommes vaillants. Are stationed. In Jerusalem. Stationnent, restent donc à Jérusalem. They're standing there waiting in Jerusalem. Ils attendent à Jérusalem. So there's this tarrying time. Il y a un temps d'attente là. That's brought to view. Qui est présenté. In relation to the number 180. En relation avec le chiffre 180. So 180 represents a tarrying time. Donc 180 titi. Temps d'attente, non. Temps d'attente. Titi. 180 est un symbole de l'attente. Verse 3. Le verset 3, 2 Chronicles. We're back in Book of Esther. Nous retournons donc là au chapitre, au livre d'Esther, Esther 1, verset 3. What we want to identify. Nous aimerions identifier. Is that in the third year of his reign. C'est que dans la troisième année de son règne. He makes a feast. Il a fait une fête.
And it says in the verse, il est dit dans le verset, this feast, ce festin, is for all the princes, était donc pour tous les princes, all the servants, pour tous les serviteurs, the nobles, les nobles, and the princes, et les princes, of the provinces, des provinces. Now, when it says all of them, quand il nous est dit tous, it's identifying that there is whatever empire this king has, everybody is involved in this issue. Et quand il nous est fait mention là de tous, cela signifie quel que soit l'empire, toutes ces personnes étaient présentes. This symbol of all the provinces, et ce symbole là de toutes les provinces, or we could say all the power of the provinces, ou nous pouvons dire toutes les puissances des provinces, is a representation of a worldwide event. Est une représentation d'un événement mondial. Worldwide. Alors, mondial, M. Oh, yeah. M-O-N. M-O-N. D-I-A-L. L. So, verse 3, we have a symbol. Donc, au verset 3, nous avons le symbole of a worldwide event. D'un événement mondial. Again. De nouveau, it comes back to 9/11, cela se passe donc au 11 septembre. Because we can make an application of this, parce que nous pouvons faire une application de cela. From Revelation chapter 10, verse 4. Apocalypse 10, 4. When that angel comes down, quand cet ange descend, in 1840, en 1840, and 9/11, mais aussi le 11 septembre 2001, when the angel spans land and sea, quand cet ange met un pied sur la mer et la terre, it's a symbol of a worldwide event. C'est également un symbole d'un événement mondial. So in verse 3, au verset 3 d'Esther 1, it talks about a feast. On nous a fait mention d'un festin. F-E-T-E. First E with an accent. Chapeau. Voilà. Ouais. Yeah. Chapeau. Yes. So there's a feast brought to view here. Donc il y a une fête là qui est présentée. And this feast lasts 6 months. Et cette fête là dure 6 mois. And this feast, cette fête, involves, implique, everybody, tout le monde, in his empire, dans son empire. And when I say everybody, et quand je dis tout le monde, it says all the nobles, the princes, and the servants. Il nous est dit tous les nobles, les princes et les serviteurs. So we want to try and understand what's going on in this feast. Et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans cette fête. Because it's highly unusual. Parce que c'est très inhabituel. If you would think about it, to have a feast that would last 6 months. Si vous y réfléchissez, d'avoir une fête qui dure 6 mois. And not only that. Et non seulement cela. But that this feast. Cette fête. Would involve all the leading people of the nation. Va impliquer toutes les personnes dirigeantes des nations, de now, la nation. This empire is not a singular country. Et cet empire ne représente pas qu'un seul pays. Verse 1 says it stretches from India to Ethiopia. Parce que le verset 1 nous dit qu'il s'étend de l'Inde en Éthiopie. So if everybody was coming to this feast, donc si tout le monde venait dans cette fête, all the individual kings for all of those provinces, tous les rois individuels de ces provinces, and there's 127 of them, et il y avait 127 provinces, you would realize that there's no government structure occurring in any of those countries. Vous réaliserez là qu'il n'y avait aucune structure gouvernementale dans ces provinces. For half a year. Pendant 6 mois. And you can see how it would cause instability in the empire. Et vous pouvez voir à quel point cela pourrait causer de l'instabilité dans l'empire. So we want to try and understand. Donc nous voudrions essayer de comprendre. What the historical backdrop is of this that's going on. Qu'est-ce que l'événement historique derrière cela? So here you need to know a little bit about history. Et ici là il nous faut en savoir un peu plus sur l'histoire. So let's try and talk a little bit about this history. Alors parlons un peu de l'histoire. So let me give you the date that this king is reigning. Chapitre 8. On va vous donner les dates du règne de ces rois. He reigns for 21 years. I've already mentioned that. Alors j'ai déjà mentionné que Xerxès a régné durant 21 ans. We'll just put the dates here. Nous allons juste mettre la date à côté là. It's from 485. De l'an 485 avant Jésus-Christ to around 465 jusqu'à l'an 465 4 ou 4.
So it's around 21 years. C'est environ 21 années. Now, if you go back into history, secular history, si vous retournez dans l'histoire séculière, we've already identified that it's the third year. Nous avons déjà identifié que c'est la troisième année. That this feast is being made in. Que c'est the first year. Third. La troisième année que la fête a lieu. So I'm going to put the year here. This is 483. Là, il s'agit de l'année moins 483. This is the third year. Qui représente donc la troisième année. I want to try and explain the historical backdrop of what this feast is about. J'aimerais vous expliquer donc le contexte de cette fête. Now, if you go forward a few years, et si vous avancez de quelques années, in this time period here, dans cette période de temps là, and you know who this king is, King Xerxes. Et vous savez qui est ce roi, ce personnage, Xerxes. You will find. Vous allez trouver that this king que ce roi wants to expand his empire. Afin d'agrandir son empire. And he wants to finish a work. Il veut achever l'œuvre. That his father, que son père, who was Darius, it's on the board, qui était Darius, was unable to complete. N'était pas en mesure d'achever. So when his father Darius was on the throne, donc lorsque son père Darius était sur le trône, he wanted to increase his empire. Il a voulu agrandir son empire. And he tried to take the empire of Greece. Il a essayé de prendre l'empire grec. But he was unsuccessful. Mais il n'a pas réussi. So Xerxes, Ahasuerus, donc son fils Assuérus ou Xerxes, he wanted to correct this, if I can call it an error or mistake. Bon, il a voulu corriger, si on peut l'appeler comme une erreur ou comme une erreur. On the part of his father. Il a voulu corriger donc l'erreur de son père. So he's going to make plans to go and destroy Greece and subjugate it. Alors il va faire des plans pour conquérir. He's not going to make the same mistake as his father did. Mais il va pas commettre la même erreur que celle de son père. He's going to assemble one of the biggest armies that this world has ever seen. Il va donc constituer la plus grande armée que le monde n'ait jamais vue. It was unbelievably large in consideration of that history. Et en considération de cette histoire, cette armée était très grande. And it was a phenomenal task. Et c'était une œuvre très très dure, très énorme à faire. This is not the kind of thing that you can say, oh, we're going to go to make war. Ce n'est pas le genre de choses que vous pouvez faire. Donc je vais faire la guerre. And get ready in a few weeks. Et être prêt en quelques semaines. Or even in a year. Ou même en une année. But the first thing he needs to do. Mais la première chose qu'il doit faire, is to make sure he has the support. Et de s'assurer qu'il a le soutien. Of everybody in his empire. De chaque personne qui constitue son empire. Now, he's going to make this war. Il va faire donc cette guerre. In this time period here, dans cette période-là, in the year 480, dans l'année moins 480, this is the warfare with Greece. Et là, c'est l'année de la Grèce. G-R-E-C-E. With an accent like that. No, first one. His third year, 483. Sa troisième année, l'année 483. Before he can begin to go to war. Avant qu'il ne soit en mesure de partir en guerre. He needs to make sure. Il doit s'assurer. That he's going to get the support that he needs. Qu'il aura le soutien dont il a besoin. So what he does. Donc ce qu'il fait. Which is what this feast, as it's called in the Bible, or this 180 days. Et c'est ce qu'il fait durant ce festin que la Bible nous dit, durant 180 jours. He's going to go to all of the provinces in his empire. Donc il va passer en revue tout son empire, ses provinces. And he's going to call those leaders, those rulers, one by one. Il va appeler un par un ses dirigeants.
And there are so many of them, it takes him 6 months to do it. Et il y en a tant que cela lui prend 6 mois. And he's going to ask them what support they're going to give him. Et il va leur demander quel soutien ces personnes peuvent lui accorder. So this is not a feast. Ce n'est pas une fête. This is 6 months of war planning. C'est en fait comme 6 mois de planification de guerre. This war planning. Cette planification. Is being carried out by Ahasuerus. A été mené par Ahasuerus. In preparation for making war against Greece. En préparation de me faire la guerre contre Grèce. This is what's happening in this 180 days. Et c'est ce qui se passe durant ces 180 jours. Soon afterwards. Très peu de temps après. In the year 480. Dans l'année moins 480. He's going to go and make war with Greece. Il va partir pour faire la guerre à la Grèce. But you find that he's not successful. Mais vous allez découvrir qu'il n'a pas été vainqueur. The Medes and the Persians, at the end of all of this struggle, lose the fight against Greece. Et à la fin de cette guerre, les Perses ont perdu la bataille contre la Grèce. And he goes back home in shame. Et il retourne honteux chez lui. And when he returns back home, et quand il retourne, this is where you're going to get to Esther chapter 2. C'est là que vous entrez dans, vous abordez le chapitre 2 d'Esther. And he's going to find a new wife and marry Esther. Et c'est là qu'il va trouver donc une nouvelle femme et se marier à Esther. Now this war planning that he's doing here, donc cette planification de guerre qu'il fait durant ces 180 jours, is brought to view in another book. Est présenté dans un autre livre. Let's go to the book of Daniel. Allons dans le livre de Daniel. So in the book of Daniel, dans le livre de Daniel, we're going to see this war planning that's going on. Nous allons voir cette planification là qui a lieu. We'll just read a few verses. Nous allons juste lire quelques versets. Then we'll break. Et ensuite nous allons faire une pause. And then we'll finish up. Et nous allons terminer. Looking at these verses again and going into a little bit of detail about them. Et regarder à ces versets et aller dans des détails. So we're in Daniel chapter 11 verse 2. Nous sommes dans Daniel 11. And I don't want to read all the verses. 11:2 et je ne veux pas lire tous les versets. I'm going to cut halfway into the verse. Je vais couper, m'interrompre à la moitié du verset. It says, and by his strength. Which verse is that? Verse 2. Le verset 2, verse. Le verset 2 de Daniel 11 au milieu. And by his strength, et quand il sera devenu puissant, la fin du verset. Now the strength that he has, la force qu'il aura, is these 120 provinces. C'est les 127 provinces qu'il possède. Through his riches, par ses richesses, because he owns all of this territory, parce qu'il a donc conquis tous ces territoires. He's the richest Persian king there has ever been. Il est le roi le plus puissant qui n'ait jamais existé. He shall stir up all. Il excitera tous. This all, ce tous, is the 127 provinces. C'est les 127 provinces. He's going right to the borders of his empire. Il va jusque dans leur empire. And he's virtually threatening them or commanding them. Et il les donc quasiment il les leur ordonne. He's stirring them up. He says stirring. I don't know what that says. He's in the. Il excitera tous. Il les excitera tous. Everybody. Donc il excitera tous. Against the realm of Grecia. Contre le royaume de la Grèce. So Daniel 11 verse 2. Donc Daniel 11 le verset 2. Is this story here? Représente donc cette histoire là. In the third year of Ahasuerus. La troisième année d'Assyrus. Esther chapter 1. Esther chapitre 1er. This 6 month war planning exercise. C'est cette planification de guerre qui dure 6 mois. He's making plans. Mm-hmm. Ils font des plans. Making sure who's going to be with him and who's against him. S'assurant du concours de tous les princes et ceux qui veulent être avec lui et ceux qui ne souhaitent pas l'être. He succeeds.
Il réussit donc amassing the biggest army this world has ever seen, à rassembler donc une armée gigantesque que le monde n'a jamais vue. Everyone's in unity on this issue. Et tout le monde est uni sur cette question. And he's going to make war with Greece in the year 480 BC. Et il va faire la guerre à la Grèce en l'an -480. This battle that occurs, mais cette bataille a lieu. It's not a singular battle. Ce n'est pas une bataille unique. It's a land battle and a sea battle. C'est une bataille entre les mers et la terre. And it's one of the most famous battles in all of military history. Et c'est l'une des batailles les plus célèbres de toute l'histoire militaire. I'm certain you all have heard of it. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette bataille. Books have been written. Parce que des livres ont été écrits. People have done research on it. Des personnes ont fait des recherches sur cette bataille. But there was a famous movie about this battle recently. Et il y a eu récemment un film sur cette bataille. It was called The 300. Ça s'appelle les 300. So you know this is the 300 Spartans. Spartes, c'est ça? Spartiates, ouais, à chaque fois je dis Spartes. Les Spartiates. This was the Battle of Thermopylae. C'est la bataille de Thermopylae. And we have these 300 Spartans. Et nous avons ces 300 Spartiates. Who essentially blockade the Persian army. Alors c'est la bataille des Thermopyles, 300 Spartiates qui ont bloqué donc cette armée. Now they eventually die. Ils sont morts. And they lose that land battle. Diapodis, et ils ont pardon. They lose the land battle. Ils ont perdu la bataille sur terre. But ultimately. Mais automatiquement. They win the naval battle. Ils ont gagné par contre la bataille navale. And Ahasuerus goes back home in shame. Et donc Assuérus est retourné chez lui honteux. So there's more to this what 180 day feast. Donc ce festin là de 180 jours. Than just the structure that we've presented here. C'est juste donc la structure que nous avons présentée là. Let's close with prayer. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your loving kindness and your goodness towards us. Te remercions pour ta bonté et ta compassion vers nous. We ask and pray that you would bless us. Nous te prions que tu puisses nous bénir. That you would help us to rightly divide your word. Que tu puisses nous aider à diviser correctement ta parole. As we study the book of Esther, alors que nous étudions le livre d'Esther. And we already begin to see its application at the end of the world. Et que nous sommes en train de voir son application à la fin du monde. As we see the symbols being brought to view. Alors que nous voyons les symboles qui sont présentés. I pray that the solemnity of the hour. Je prie que cette heure limitée. Would rest upon us. Sera que nous pourrons gérer cette heure limitée. That we might not be asleep. Afin que nous ne puissions pas, Seigneur, nous endormir. That we would be wide awake to the events that are happening all around us. Et que nous puissions être totalement éveillés concernant les événements qui se passent autour de nous. Bless us, we pray in the name of Jesus. Bénis-nous, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.